Salut! J'espère que ça va dans vos petites têtes de spermatozoïdes. Vu que là, on va encore critiquer quelqu'un qui rappe. Je sais. Mais c'est pas du tout original! Ferme ta gueule! Ferme ta grosse gueule! Bon allez, commençons! Tout d'abord, au début, ça va un petit peu stylé avec les petits mots. Mais là, on voit d'abord préparer avec sa capuche. Ça veut dire, oh là là, j'ai commencé à appuyer sur le bouton vite. Oh voilà. Yeah. This is Slim G, man. Ouais, c'est moi. Le mec veut faire du rap alors qu'il utilise une chanson de pop. Moi perso, je n'ai jamais aimé les personnes qui rappent. Ça, c'est ton avis, bolos. Donc là, il va rester pendant 10 secondes à danser. C'est cool. Toute mon enfance, j'ai vécu dans la misère. Tout le calvaire que j'ai vu dans mon... Je crois que notre ami a un petit trou. Quoi, tu dis trou? Ça veut dire trou du cul? Pas du tout, gros con. Mon champ vision, y'avait pas d'émotion. J'avais pas d'émotion, je les montrais pas. Je me cachais, je n'allais pas là. Comme on dit, échec de rire. Pour une fois que je suis d'accord avec lui. Je me cachais des problèmes, je me cachais de tout. Je ne disais pas rien, je gardais la haine dans moi. C'est ça que je faisais, une boule de douleur en moi. Bon, la règle du rap, c'est très simple. Tout d'abord, il faut attendre une phrase pour faire l'autre rime. C'est-à-dire, tu dis, je mange un steak haché, vas-y, casse-toi, petit pépé. Là, ça marche. Mais si t'attends deux phrases, ça marche pas. C'est de la merde, ton rap. Et celui que je viens de dire, c'est de la merde aussi. Normal, t'as pas un d'inspi, t'es nul en même temps. J'ai beaucoup d'inspi. Tu peux comprendre tous les problèmes que j'ai vécu. Non, je peux pas te dire, ça durera trop de jours. Je pourrais pas t'expliquer, mais je vais faire un résumé. C'est tout. Ah oui, d'accord, donc c'est-à-dire, il raconte sa misère qu'il avait vécue quand il était enfant. Ma vie, c'était tellement excité ou activé ou beaucoup de stress. Je pense que notre cher petit monsieur a eu un petit lag. C'est pas mon logiciel de capture. Croyez-le. Vie vraiment chargée, il y avait des problèmes. Des gros murs, des petits murs, toutes sortes de murs. Bref, j'ai une vie misère, une vie calvaire. Une vie calvaire, une vie misère, ouais. Pour te dire, mec, dans le rap, il faut pas répéter les mêmes mots. Très important. Mais là, je fais comme mon père, je travaille pour ma mère et je fais tout comme le plaire. Ouais, j'essaie de plaire à mes parents, j'essaie de faire tout ce que je veux faire. Mais je fais semblant de aimer ça comme ça. Mais moi, tout ce que je veux faire, c'est chanter comme ça. Vous avez bien entendu? Chanter comme ça! Donc chanter de la merde! Ouh là là, c'est pas très bien, très bien. Tu peux me laisser au moins finir ma critique? Ouais. Toute ma vie, j'ai vécu comme ça, j'aime pas ça, mais continue. Mais je fais ça pour vivre ma vie, aller à l'école, graduer, faire ça pour que ce monde se tait. T'es un putain de français! Ne fais pas genre que t'habites dans les pays pauvres! Ça se fait vraiment pas! Sauf si t'es français et que t'as décidé d'habiter dans un pays pauvre. Mais bon, avoir un beau frigo, une casquette comme ça, ça se vend pas dans les pays pauvres. Ou soit en Chine, le pays développé, tu vois. Non, tu connais pas? Allez, ici. Que j'ai fait de quoi ma vie? Il dirait, fuck you, j'ai fait quoi ma vie? Là maintenant, je vais chanter pour ma vie, chanter pour tout ce que j'ai souffri et tout ce que j'ai subi. Ouais, je vais fermer ta gueule, j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait. J'ai rien écouté, les lois de. Si tu avais quelque chose, un rap pourri. Po, si tu peux répondre à ça, et bah. Vas-y. Je clash pas, hein. C'est juste une critique. Mes parents, qui m'a dit, mon père, ma mère, ma grand-mère et tout, qui m'a pas inventé. Ouais, même ma maman, t'es triste en terreur et du proche comme ça. Tu pourrais au moins baisser un petit peu le son de ta musique, vu que là, on t'entend même pas. Hein. Après, comment veux-tu que je te critique, bordel? Par le bout du nez, et tu comprends même pas qu'est-ce que t'as tout vécu. C'est pas sympa, ouais. Bref, c'est ça. Là. Ça me venait du cœur. Ça venait pas du port ailleurs. Ça venait du cœur. Ouais.
Ton rap vient du cœur. Et bah tu dois avoir un cœur noir alors, mon pote. Tu dois avoir un cœur noir. Par ailleurs, ça me du cœur. Ouais. Nulle part ailleurs. Peace, man. This is Slim G. On va nommer ce très bel accent américain. Et à lui. Respect. Voilà, c'est la fin de cette critique. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé la vidéo.